Changer les Donc pneus. voilà, tout simplement pour vous expliquer comment savoir lorsqu'on doit changer les pneus, faire la différence entre pneus d'hiver et pneus d'été, ou bien vous avez des pneus standards. Si vous avez des pneus tout simplement usés, comment les reconnaître? Donc je vous explique de nouveau. Et vous avez une bande de roulement ici. D'accord? Ça, c'est une bande de roulement par rapport aux pneus d'été. C'est des lignes droites, vous voyez? Et ici, vous avez des pneus d'hiver. Vous avez ici le symbole, largeur du pneu 205 mm, rapport hauteur largeur 55 et des radiales diamètre 16 diamètres. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions. Vous avez ici un témoin. Comment le reconnaître? Vous avez ici un symbole. Chaque 30 cm, on va dire, vous avez ici un symbole. Ici, vous allez voir que c'est des pneus d'hiver, hein, et aussi un symbole. D'accord? Et chaque fois, vous allez avoir plusieurs symboles avec qui vous indiquent où se trouve le témoin, comme ici. Ici, là où je mets mon doigt ici. Vous voyez ici? Là, c'est le témoin qui va vous indiquer la profondeur. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous directement si vous voulez réussir votre permis, c'est le moment. Code Suite, c'est un langage, un vocabulaire du peuple, donc n'hésitez pas à poser des questions et à liker un maximum.